Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Toujours dans les Robocraft Days, maintenant nous sommes le week-end et je n'ai pas eu de nouvelles de ma tour, donc en tout cas, je pense que j'en aurai plutôt lundi ou mardi, et qu'elle partira, je pense, peut-être dans le lundi après-midi pour arriver avec un peu de chance le vendredi. En tout cas, faut croiser les doigts pour ça. Donc du coup, on est normalement techniquement dans la dernière semaine des Robocraft Days. Et écoutez, moi je l'espère qu'on aura le retour de la tour assez rapidement. Et je n'ai pas encore eu de retour non plus au niveau de Free Jam, simplement vis-à-vis du compte presse. Certains d'entre vous commencent à avoir un petit peu les boules. Beaucoup d'entre vous m'ont dit oui de prendre un compte presse pour pouvoir vous proposer donc les dernières nouveautés. Alors je vais rappeler quand même ce qu'est le compte presse une fois qu'on sera en game. On part avec ce robot là pour nous venger. Je vous rappelle qu'on s'est fait défoncer par des autoguidés la dernière fois. Du coup, vengeance. Vengeance. Donc. Le compte presse, pourquoi j'ai choisi d'en prendre un, de faire le choix d'en prendre un? Pourquoi? Tout simplement parce que ça me permettra déjà d'une de vous permettre d'avoir accès à des vidéos de gameplay, des nouveautés qui arriveront sur le jeu. C'est vrai que jusque là, j'ai peut-être été un petit peu stupide en rattrapant mon retard sur les mises à jour, entre guillemets, avant que la mise à jour sorte pour la nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas accès à la nouveauté en elle-même. Vous pouviez la voir dans le shop, mais c'était pas intéressant, regardez, je veux dire. Bon, vous étiez content parce que vous aviez plein de vidéos de Robocraft qui arrivaient d'un seul coup, c'était la fête. Mais voilà. Donc maintenant avec ce compte presse, en fait, j'aurai accès en illimité au Galaxy Coin normalement et au RP qui me permettront du coup de mieux vous permettre de montrer les nouveautés. Déjà pour ça. Certains d'entre vous ont peur que ça gâche les 172 épisodes d'avant, enfin en tout cas tous les épisodes d'avant. Oui et non. Je vais dire oui et non, pourquoi? Parce qu'au final, c'est grâce à ces 72 épisodes que j'ai réussi à avoir, entre guillemets, votre soutien. Et donc, techniquement, c'est une évolution, entre guillemets, logique. Après, ne vous inquiétez pas, je vais pas non plus en abuser, je vais pas faire des robots, je vais pas faire 6 mégas d'un seul coup, juste pour le plaisir de faire des mégas. Non, loin de là. Je vais plutôt, tout simplement... Eh oh, tu le verrouilles, s'il te plaît? Voilà, il s'enfuit. Ok. Ah, j'ai eu tiré qu'une roquette. C'est bête. Hop. Il a blinké. Et c'est la fête, ça se déconnecte déjà. Casse-toi. Hop. Sont nombreux, dis donc. Ah, ça verrouille plus. Pourquoi ça ne verrouillait pas? J'aurais bien aimé comprendre pourquoi ça ne verrouillait pas. Bon, c'est pas grave. Moi qui imaginais avoir un robot assez tranquille, je vois qu'il se balade en tout cas en groupe, ce qui est un véritable problème. Hop. Allez, vas-y, passe. Oh merde, tu t'es arrêté. Alors. Un ennemi là-haut. Ah, c'est pas le meilleur endroit pour tirer ça avec ces trucs-là. Il est solide, dis donc. Ok, une rafale. Hop là. C'est pas grave, on va reculer. Qu'est-ce que... Salaud. J'ai plus de... Oh mais... Pourquoi j'ai des problèmes de verrouillage? Pourquoi quand je vise l'ennemi ça le verrouille pas? J'aimerais comprendre. C'est bizarre. Non, je vais mieux aller par là-bas chercher la tour qui nous reste, sinon on va la perdre. De toute façon, on est parti pour la perdre, j'espère que nos potes vont aller la chercher. Hop.
Mais ouais, c'est bizarre, Your fusion shield has been deactivated. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi j'arrive pas à le verrouiller? Regardez ça! Est-ce qu'il y a une mise à jour qui empêche les... Le verrouillage grâce à certains objets, peut-être? Oh! Mais putain d'abruti! Oh la gueule! Hop! Voilà, dégage, merci. Hop. Oh, et il touche, hein. Est-ce que tu peux me faire le plaisir de le buter ou pas du tout? Et du coup, je vais crever. Voilà, bah je vais crever. Alors j'aimerais comprendre pourquoi je peux pas viser certains... Pourquoi je pouvais pas le viser avant? Est-ce qu'il y a eu un système de visée qui a été modifié? Hop. Il tire avec quoi lui? Hop. On est par contre quand même bien bloqué au niveau des... Pourquoi je peux pas le viser lui? Pourquoi je peux pas le toucher même d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez. Comment il s'appelle lui? Je peux pas le viser. Je peux pas le spotter apparemment. Oh! Quoi? Your respawn times have been reduced. Your top fusion tower is under attack. Je peux pas le spotter. Je peux pas lui tirer dessus. Il y a un cheater. Il est intouchable. Et il est complètement... Ah donc c'est un cheater. C'est génial. C'est génial. Il est tout bonnement intouchable. Par contre oui, alors ça je dois repasser hein. S'il te plaît. Là, parce que l'emplacement du repop était vraiment putain. Alors je sais pas ce... Ah oui, non, d'accord, il farme le repop. Il farme littéralement le repop. Ok, t'es bien crevé, merci. C'est même pas moi qui l'ai, c'est génial. Et je crois que... Bluescape là. Je sais pas pourquoi. Ou les Wooglong là. L'un ou l'autre. C'est vite, en tout cas. Mais c'est pas grave. J'aurais bien besoin de voir. Il est inspotable. Regardez ça. Eh, hey, regardez. Il y a tout simplement un cheater. Il y a un cheater, voilà.
Regardez. Il y a un sniper qui est dessus, il est même, il prend même pas de dégâts. Il y a tout simplement un cheater. C'est génial, hein. À tomber sur des parties comme ça en début de journée, c'est vraiment excellent. Et moi, je veux faire la danse. Voilà, je veux danser un petit peu. Hop. C'est juste un cheater, chers amis. Donc, Lei Wunlong. Donc, moi, ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais tout simplement reposter. Regardez, regardez le nombre de dégâts qui se prend. Ah, si, c'est bon, il a pris des dégâts. Putain, c'est la première fois que je le vois mourir. Lei Wunlong. Vous voyez? Bizarrement, j'en parle dans le chat et bizarrement, il se fait tuer. Il prenait pas de dégâts avant. Prenait pas de dégâts avant et là bizarrement il en prend. D'accord. J'aurais mieux fait de me taire. Mais enfin bon, si j'arrive à le spotter maintenant, ça veut bel et bien dire qu'il y avait un truc avant qui l'empêchait de le faire. Et là j'arrive à le spotter. Et j'arrive à le toucher. Donc il y avait bien, il cheatait avant. Et j'aurais même fait de me taire. Donc oui. Oui. Donc on a affaire à un cheater qui est capable d'arrêter son cheat en plein milieu de la partie. Vous avez bien vu que j'arrivais pas à le spotter. Vous avez bien vu que j'arrivais pas à lui tirer dessus. Vous êtes d'accord, hein, chers amis. Je pense que vous êtes d'accord. Donc il y avait bel et bien un problème avec ce joueur. Oh la vache. Il y a des cheaters maintenant. Alors on avait avant les armes cheatées, maintenant on a les joueurs cheatés. C'est génial. Oh, je suis heureux de jouer à Robocraft aujourd'hui, j'ai encore plein de vidéos à tourner parce que voilà, je tourne que de ça en ce moment. Mais c'est la fête, hein. Bon, je retrouve tout de suite une fois que la game sera lancée. Ok, heureux, chers amis, donc oui, je disais au niveau des commandes du compte presse, et je vais pas m'amuser à faire 36 000 mégas, hein. Rassurez-vous, non, je vais peut-être pouvoir faire par contre des vaisseaux, enfin, des robots un peu plus stylés. Ça peut être sympa. Mais surtout, l'objectif c'était surtout de vous présenter les dernières nouveautés du jeu et de voir derrière si vous voulez jouer avec ou pas. Voilà, voilà. Ce jeu vous plaît, c'est pour que je vous montre un maximum de gameplay dessus et du gameplay intéressant. Vous-même, vous m'avez parlé de redondance au niveau du gameplay. Écoutez, je les ai bien compris. Hein. Moi aussi, quand je jouais, j'avais une certaine redondance. Hop. Your team has captured the bottom fusion tower. Your fusion shield is now active. D'accord. Spotted. Spotted. Hop. Spotted. Hop, on coupe les lumières. Mode ninja activé. Hop. Quoi? Tu veux bien prendre la peine de prendre des dégâts? Quoi? Je tire dessus depuis une demi-heure. Oh la gueule! Bon, c'est pas grave. My bad, my bad. No suicide man, that was my bad. Excusez-moi, je suis encore malade, c'est chiant. C'est bon, je t'ai vu passer, t'inquiète. Ok. Bon, c'est pas grave. Ah. Pourquoi j'ai l'impression que ça fait moins de dégâts aux autres qu'à moi? C'est chiant, chers amis. Spotted.
Regardez. Hop. The bottom fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Il va régène. Oh ! On chie à travailler en équipe, ceux-là. Il est sympa son heal. Son heal bombardier, si je me trompe pas d'ailleurs. Bon, faut que je joue mieux que ça. Je suis mauvais, là je reconnais que c'est de ma faute. Faut dire, il ferait mieux d'aller choper les tours. Allez, bouffe. Bon, j'ai même pas eu. Hop. Voilà, et deux. Hop. Tu veux bien crever ? Allez ! Putain ! Ouh ! Pas bien que mal. Hop. Allez. On y retourne, chers amis. Hop. Tu m'as eu une fois, pas deux. Ils vont arriver par le haut, hein, soyons honnêtes. Ils vont revenir de par le haut. Death comes from above. La mort viendra du ciel. Enfin, vient du ciel. Your plutonium reactor is under attack. Quoi ? Spotted. Your plutonium reactor is under attack. Oui, alors je comprends pas pourquoi il a pas continué à lui tirer dessus, parce que j'ai vu, on a vu sa régène remonte, enfin sa santé remonter sur le, enfin sur, comment, pas sur le chat, mais sur le, comment, l'information. Donc je ne comprends pas. Spotted. Your plutonium reactor is under attack. Hop. Ça me fait le plaisir de mourir, s'il te plaît. Merci. Et moi je vais me faire un plaisir de les... Spotted. 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 Hop. Alors. Spotted. Ok. Non. Crouch. J'aurais pas dû crouch. Ok. On a nos potes qui y va, c'est cool. Vas-y, monte, j'attends. Hop. Your bottom fusion tower is under attack. Spotted. Ah. Spotted. Il m'a touché. D'accord, il m'attend. Fusion tower. Il m'attend. Booster activated.
spotted. Oh la vache. Quoi? Mais je suis stupide, je devrais pas sauter, je le sais. Allez, tire! Oh! Je peux pas, j'ai pas d'autre armement! Ah! Il a trop de redondance, je peux pas le buter. Comme il a beaucoup de redondance d'armement, je peux pas le buter. Ah, c'est dommage. Bon, on va tenter un rush sur la base ennemie. On va tenter un rush sur la base ennemie. En passant par la droite, mais enfin bon, oui. On a encore perdu celle-là. Ils sont deux, on est trois. Oh bah c'est pas la peine. C'est mort. On a trop de snipers. Voilà, par toi. Va mieux. Un campeur là-bas. Oh putain. J'ai à peine régène que c'est moi qui me fais. Hop. Toucher un petit peu. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous? Tu glisses sur la glace maintenant? C'est nouveau ça? Oh la gueule! Eh, tu me reposes? Ah, je fais pas de tirer. Oh mais à deux, mais putain. Je peux rien faire, c'est saoulant. C'est saoulant. Je sais pas où sont mes potes. Je sais pas ce qui masturbe, parce que oui c'est le terme hein. D'accord, ils fuient tous par là-bas. Bah écoute, allez faire un rush sur leur bâtiment si vous voulez. Ça fait quand même beaucoup de fois où je tombe sur des équipes qui sont pas très réactives hein. Enfin, ou alors c'est moi qui suis extrêmement mauvais et qui baisse le niveau de l'équipe, ce qui est possible aussi hein. Mais je sais pas. Non bah non, on va jouer jusqu'au bout maintenant. Excusez moi j'avais pas vu le truc, mais de toute façon on va crever donc c'est pas la peine. Mais ouais, est-ce que je me trompe, est-ce que je fais une erreur quelque part, je sais pas. Voilà, je me prends des... alors voilà le... ça donne pas envie de jouer ça hein. Je ferais mieux de me mettre carrément là avec les cubes de mon robot directement dans le canon ennemi, c'est mieux. Ou en vous portant directement, vous voyez, il n'y a pas de problème. Parce que là, enfin je vois pas d'intérêt de faire ça si... Voilà, je vois pas d'intérêt de me faire repop si c'est pour me faire repop devant trois ennemis. Enfin je comprends pas là pour le coup, là je crois que ça va être rapide aujourd'hui aussi comme épisode. Là je comprends pas, le jeu est vraiment devenu une bouse en fait. Une bouse sans nom. Mais enfin bon. Je commence à avoir entre guillemets l'habitude. On va essayer un autre truc. Tu permets, je te récupère mon armement. On n'aura plus qu'un. De toute façon on a vu que t'étais pas très performant parce qu'on a vu des parties moisies. Hop. On verra ce que je pourrais t'ajouter ensuite. Hop. Bah écoutez les amis, moi je pense que je vais partir en construction dans le prochain épisode, encore une fois, hein, désolé. Malheureusement on va faire comme ça. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que je fais mal. Ou si tout simplement j'ai pas de bol sur le choix de mes équipes, hein. Je ne sais pas.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la et abonnez-vous. Ce sont deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître, les amis. Je vous en remercie. Encore une fois, merci à vous tous. Hein. On n'en serait pas là si vous n'étiez pas derrière moi pour me soutenir. Donc voilà, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour cette aventure. Salut les gens. Et yo!